fait des abonnements. Non, non, t'es venu pour clasher toi aussi. Non, non, frater, non, non, tranquille, moi je veux un petit match, tranquille, gagner des pépettes, quoi. Je touche la CAF, le 5 là, les allocations, et du coup j'ai envie d'investir. Ajoute-moi sur Snap, t'inquiète, t'auras des pronos. Vas-y, ça va, je vais t'ajouter. Là, je te mets en favori, t'es cool comme mec. Ça se voit, t'es blindé en tout cas, t'es bien, t'as des habits et tout, cool. La tête de Yankli. Vraiment. Oh, le Yankli des pronos, il a trop bien joué, le Yankli des pronos. Ouais, salut gros. Moi aussi j'ai trouvé le filon sur l'OVO, donc si on pouvait genre trouver des plages horaires pour aller sur l'OVO, tu vois, pour les pronos. Moi mon snap c'est Alan Prono, les gars, Alan Prono 92, rajoutez-moi sur snap, il y a que des bons pronos là-dessus. Le premier sur le TFC Guingamp, une contre-pub voilà, streamé, c'est ici. Il se sont ne rajoutez pas des clics pronos, il a la haine, regarde. Il a une il a un pourcentage de victoire de 10%, je crois. Claqué au sol. Moi, c'est Alan 92, je vous rappelle. Snap. Rajoutez-moi, les frérots. Je vous aime. Bisous, allez. Bisous, la bise. Ouais, je le veux. Ça va ou quoi? Tranquille? Hein? Alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va, tranquille. Ça dit quoi? C'est quoi ton truc de prono? Prono foot ou prono tennis? Foot. Ah ouais, foot, ok. Tu peux pas lâcher un petit prono, là, vite fait? Parce que j'ai un collègue qui s'appelle Chewbacca FC. Il fait des pronos, mais la vie de ma mère, il m'a fait perdre trop d'argent. Frère, je lâche plus rien. Les gens maintenant ils payent. Oh là là. Vas-y, en plus j'aurais pu trouver des sponsors parce que vas-y. Sérieux, tu connais, je suis le cousin de Gotaga, tu vois, j'ai le petit t-shirt de Gotaga, Gitaga. Ajoute-moi sur Snap et on verra. Vas-y, ouais, je vais t'ajouter. Vas-y mon ref. Ils font payer des pronos vraiment. Mais c'était pas une légende, ils font vraiment payer. Moi je me prépare pour aller en soirée là. En soirée? Ouais, on fête Halloween. Mais le corona dans tout ça? Mais on l'emmerde le corona. Donc le corona? Mais tranquille, c'est à côté de chez moi. Je vais voir des potes. Bah non mais t'as raison. Ah bah je vais pas rester enfermé. Ah bah surtout pour Halloween, c'est triste. Bah ouais. Bah tu fais bien. Faites attention quand même hein. J'ai pas d'idée de déguisement là. Bah déguise-toi en racaillou. J'ai du maquillage mais je suis pas... Il est très bien comme ça non? Je crois que je suis maquilleuse professionnelle de base hein. Dans tous les effets spéciaux, me parle pas de ça, ça me chauffe. Ah ouais, ça te chauffe? Bah vas-y, je vais te chauffer. On va parler de maquillage alors. Vas-y. Je vais te chauffer. Fais voir ta gueule. Non, bah alors déjà parle mieux en fait. Sale p***. Ta gueule. Sale p***. Mais c'est pourquoi il... Ah mais t'es con toi aussi, il insulte lui. Salut. Ça va bien? Et toi? Bah ça va, super. Pas okay. Mal, c'est un bébé d'hypo. Ça raconte quoi? Rien de spécial et toi, vas-y. Tu vas où? Bah rien, je suis chez moi, tranquille, pourquoi? Ouais, je lui dis quoi? Bah non, comme ça, pour savoir. Qu'est-ce que tu vas faire ton Halloween? Bah je sais pas, j'ai acheté des bonbons, y'a personne qui passe chez moi. Ah merde, choupette. Ouais, j'en ai marre. Bah, bon, chaque année, j'ai beau acheter des bonbons, y'a personne qui passe. Et du coup, au final, je mets de la mort au rat dedans et je les pose au coin de ma fenêtre si jamais y'a des gens qui passent. Bah, c'est pas génial ça. Bah, parce que j'habite en HLM et en fait, y'a une cité, je sais pas si tu connais un peu la cité des 4000. Du coup, y'a un peu de racailloux, un peu de. Enfin, j'ai rien contre les Arabes, hein, j'ai un ami qui est noir. Mais du coup, bah, je me dis. Enfin, voilà, après, t'as compris? Ouais, mais bon, c'est pas ouf, hein. Non, mais parce qu'en fait, moi, enfin, je sais pas si tu l'as remarqué ou quoi, enfin, je suis bisexuel, et du coup, ben, souvent, je suis discriminé. Donc tu te venges sur les autres? Sur les Arabes, principalement, pour l'instant. Enfin, après, j'ai beaucoup, enfin, j'ai quand même pas mal de savoir, je lis pas mal d'Éric Zemmour, et honnêtement, ça m'instruit pas mal, ça m'a un peu forgé mon caractère, tu vois, mon petit caractère. En tout cas, c'était un plaisir de parler avec toi, et puis je te fais des bisous. Ouais, force à toi, bisous. Salut. Bisous. Ouais, ça va? Ouais. Ouais, fais attention, là, il y a un mec, depuis tout à l'heure, il y a un mec qui va vouloir mettre des vidéos sur YouTube. Et en gros, c'est le gars qui dit ça depuis tout à l'heure, c'est streamer, c'est lui. C'est lui qui s'amuse à faire ça, il balance son adresse à chaque fois. Donc lui, banne-le, Johnny. Regarde, il met des photos de lui. Mais je comprends pas. Attends, juste, tu peux me réexpliquer parce qu'il dit que c'est toi et lui, et toi, tu dis que c'est lui. Non, ça peut pas être moi, regarde, t'es sérieuse. Donc c'est lui, regarde, il met des fake photos, regarde la photo, il y a des inscriptions sur le visage. De toute façon, je peux pas aller sur le lien là. Bah ouais, normal, t'as pas de PC, t'es qu'au téléphone toi. Eh oui, c'est pour ça. Mais c'est ouf, pourquoi les meufs de votre génération, c'est que téléphone, Insta, TikTok, etc. Je comprends rien du tout, Jérémy, franchement, je comprends rien du tout à ce qui se passe. Bah vas-y, banne-le, si tu veux passer un bon moment avec tout le monde, on va passer et tout. En tout cas, merci pour m'avoir accueilli, et si tu veux laisser un petit match, n'hésite pas. Hein. Vas-y, ça marche. Merci, petit match, comme ça on peut discuter après, je t'expliquerai pourquoi le gars il fait ça, il harcèle tout le monde, il vient sur les lives de tout le monde. Fichier, voilà. Mais c'est vraiment vrai ou pas? Ouais, bah c'était vrai. Tu demanderas à tous les autres qui vont passer juste après. Ils vont te dire que ouais, le Johnny, ouais, faut que tu le bloques. Tu verras. Bloque-le. Ah, merci. Je te fais un gros bisou et bon live à toi. Et on te regarde, on donne de la force. Je te donne un cadeau après. Merci beaucoup, Jérémy. Bisous. Bonjour. Moi, c'est Akera.
Regardez son cosplay. Regardez ce qu'il a fait. Mais c'est quoi ça? Ça va bien. Attends, il s'est dessiné sur le. Il a dessiné un diable. Qu'est-ce que tu fais de beau? Non, mais il se... Bah rien, en live. Hein. Ça va. T'as fait le déguisement? Bah ouais, comme tu peux le voir, je sors pas comme ça tous les jours, tu sais. Ouais, tu m'étonnes. J'avoue, Axo. Ok. T'as vu mon nouveau tatouage? C'est un 6-9. Montre pas parce que tu vas te faire ban. Non, je montre rien. C'est mon tatouage, tu vois. Il a quoi sur le torse? Bah, son nouveau tatouage, il paraît. C'est une chèvre. Un dessin. Coucou, ah. On voit trois écrans sur le retour, non, sur ses lunettes. Et pourquoi t'as dessiné une chèvre? En hommage à la chèvre masquée. Ouais, je suis désolé, j'ai pas tenu. T'es BG, cacahuète, des gribouillis, MDR. On veut voir, c'était ton. Non, merci. T'en vas ou quoi? Un concours? Pas du tout. Oh, lui, il me fout trop les boules. C'est pas possible, quoi. Putain, c'est rien. J'aime bien mon Ça va et toi, je vois pas. Ouais, tranquille, écoute, Chupa, ça va. Pardon. Pas de beau. Je sais pas pourquoi j'ai Il est BG quand même. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais. Bah, rien de beau et toi? Bah, rien de spécial, hein, on est là. Sympa ton make-up. Merci, Choupa. Ah, je suis de Bellefond, tu connais? Pas du tout. Bellefond. Je sais pas, c'est à côté, c'est à un quart d'heure, quelque chose comme ça. T'as rien dit de mal, mais je sais pas ce que j'ai dit de raciste en fait. Je crois que t'as dit un truc sur les noirs quand il t'a parlé du make-up, mais je suis pas sûr. Ah, pas du tout, non. Parce qu'il t'a parlé des triangles noirs et t'as dit genre, t'as dit un truc bizarre. Tu dois confondre parce que personne m'a parlé du truc noir. Ouais, je sais pas alors. Et du coup, comme c'est compliqué, tu vois. Ouais, mais en plus, vous inventez des phrases, quoi. J'ai jamais dit ça, j'ai même pas parlé de noir, les gars. Après le confinement, il y a moyen on aille boire un café parce que je trouve plutôt mignonne en vrai. Et comme on a le même âge, tu vois. Oh putain, que ça bouge. C'est et tout. Gênant, cette situation. C'est gênant, mais c'est le vous, c'est comme ça. Alors là, je sais pas. Ok, vas-y. Faut déjà qu'il y ait plus de confinement. Oh là, mais elle est difficile, Bisous, sérieux, pour rien. Il a quoi le mec à parler à ma meuf comme ça là? Ah, moi. C'est quoi ces récupérings de l'enfer? C'est souvent des mecs qui sont friendzone. Qui font les potes dans le chat. Et ils sont friendzone après, c'est putain de guignol. Et moi, je vais te mettre le cul. Il se passe quoi là? Banne les ces bâtards là. Allah, ça casse les couilles là. Bah, tu crois que je fais quoi là? Je sais pas ce qui se passe là. Racisme non. Tu ressembles à Enjoy Phoenix. Tu connais pas Enjoy Phoenix? Regarde sur YouTube, Enjoy Phoenix. Merci Stalva. Mais tu ressembles à elle, mais en version Wish. Tu peux regarder. Ouais, voilà, tu ressembles à elle. Regarde, mais à côté, on dirait. Mais c'est toi en fait, Enjoy. T'es en placement de produit? T'es en placement de produit? Ouais. Tu vois, je fais un petit placement de produit, un rouge à lèvres là. Ah ouais, je me disais bien, je t'avais déjà vu quelque part. Et du coup. Oh non. On est deux. Bonjour. Oh, il fait peur, mais. Les gens, c'est moi qui vois bizarre à cause de mon pétard ou c'est. On voit tous pareil. Tu peux parler, tu sais. Si. Mais attends, c'est un gigapète qu'elle a préparé, non? Non, c'est pas un pète, rassurez-moi. Ça va ou quoi? J'ai cliqué nulle part. Salut. Ça va, tu vas bien? Tranquille et toi? Ça va, ma petite poupée Harley Quinn? Je pars, Harley Quinn. Non, tu es quoi? Joker, ça se voit pas. Mais non, mais t'es canon, c'est un truc de ouf. Tu me rappelles mon ex? Mon ex, elle s'appelait Ellie. Elle avait v'là le gros bout. Mais elle avait un gros pétard aussi. Merci Nicolas. T'es encore mieux qu'elle, t'es merveilleuse. Merci Apsis. Merci. Voilà, donc moi je me suis mis sur mon petit 31 pour l'occasion, tu vois. Mais en tout cas, mets-moi un petit match et on se parlera en privé, on fera des. Faut pas rater les gens, après les autres ils vont être jabous. Ils vont me demander. Tant mieux. Si mon killa qui passe là, j'arrive à. Gros bisous, regarde-moi ça. Petit bisou fleu récent là. Elle a tendance à bloquer là par contre. Non. Ouais, Chines, ça va ou quoi? Oh, comment tu vois? Salut, ça va et toi? Merci Zelcro, merci ouais, Nicolas. Ça va super. T'as quel âge? Putain, et toi? J'ai 21. Tu viens de Marseille, c'est ça? Tu bug, tiens taco. Ouais, c'est ça. Tiens taco. Ah ouais, tu bug. Ah ouais, tu pars pas. En tout cas, ton make-up, il est pas mal. T'es ravissante. Merci. En vrai, j'ai vu que tu disais que tu mettais pas de cœur. Mais sache qu'en fait, je te trouve vraiment mignonne et je pourrais être ton Joker si t'acceptes d'être mon Harley Quinn. Ah bah, vas-y. Vas-y. Bon, écoute. Moi, je passe à Marseille le 25 décembre parce que j'ai de la famille là-bas. Si tu veux, on se capte. Par contre, tiens taco, tu me fous la rage. Non, tiens ta langue surtout. Tiens taco!
Elle me fout la... Allez. Pourquoi vous faites les fonce-dés, les gars? Oh, ça va et toi? Elle, tu kiffes? Ouais. Ok, bah voilà. Comment? Ça va et toi? Je m'appelle Kilak. Tu viens d'où? Je viens de La Rochelle, je connais. Alors, ah, vas-y, j'ai un jeu, pense à un chiffre entre 1 et 10. Et si je trouve le chiffre auquel tu penses, tu me donnes ton snap. Ok. C'est le 7. Non. Mais la vie, c'est le 7. En gros, je t'explique. Il y a des personnes qui s'amusent à exploiter ton image là sur des plateformes, mais il faut que tu bannes les mecs dans le chat là, parce qu'en fait, en étant dans le chat, ils arrivent à récupérer ton image. Moi, je travaille dans le domaine technique, dans l'informatique, donc fais attention. Donc, essaye de banner, bannir les personnes malveillantes. Donc, toi, t'es une vraie meuf, ça se voit que t'es une halal, t'es une fille bien, donc c'est pour ça que j'essaie de te préserver. C'est gentil, merci. Donc, fais attention à toi, continue ton live comme si voilà, de rien n'était, juste sois pas naïf, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui peuvent exploiter ton image et de la diffuser sur YouTube. Ah mais moi voilà, je fais rien de chelou de toute façon. Non mais ça se voit que t'es une fille, hein, tu vois, t'es là juste pour draguer, enfin les mecs te faire draguer, normal, tu vois, c'est un jeu de séduction. D'ailleurs là il me reste, ça m'a niqué mon timing, tu vois, il me reste 20 secondes pour te draguer. Sinon ouais, tu cherches quoi sur l'application, quelque chose de sérieux, court terme, tu peux être ton mec. Moi je suis là pour m'amuser, enfin passer le temps quoi. Rien, bah moi aussi je suis là pour m'amuser, bah ça tombe bien, vas-y viens on match et on parle après en privé, tranquille. Non c'est pas ça, c'est genre m'amuser, c'est genre faire un live. Tu sais, m'amuser, ouais, j'ai bien compris ce que tu veux dire, m'amuser. Non, c'est pas ce que tu penses. Je viens d'arriver, ce qu'il a dit Hassan c'est vrai, mais il fait partie du coup. Hein. Mais non. Mais elle est naïve ou quoi? Oui, attendez. Hassan il te dit des couteaux, c'est un rebeu en fait, je t'explique. Il fait semblant de se faire passer pour le gentil, en fait ça leur permet, tu vois, en fait, de lui les modos, comme ça les autres ils sont pas bad. Donc voilà, moi je suis les lives souvent, et j'ai vu que... Regarde, il l'a ban. Regarde, c'est Egoman. Ah, tiens, non, Drake de Warzazat, les gars. Attendez, yo, Drake. Attends, Sarah fait du harcèlement sur l'Ovo, il faut faire attention. Qui fait du harcèlement? Moi? Non, Sarah. Mais je m'en bats. Alors, Sarah, là, je m'en bats les couilles. Il y a 1500 personnes qui se moquent de moi. Ils ont quoi, en fait? J'ai quoi? Je suis pas moche, je suis pas... Voilà, dealer, merci, Zara. Allez, t'es cassée, elle t'a cassée en 5. Ils se moquent de moi, ils vont faire quoi? Merci, en plus, on se moque même pas de toi, en plus. Ça va, toi? Regarde-moi ce guignol, il est content, en plus. J'ai peut-être moins peur, là. Non, justement, remets le masque. Ah, sourire. Je fais peut-être moins peur. C'est peut-être pas ce que j'aurais utilisé comme phrase. Ouais, non, mais... Non, mais frère, j'ai vraiment pas ton âge, en oula, fait. Oula, c'est quoi, ça? Mon dard. Regarde. C'est quoi, ça? Ça va bien. Vas-y, tais-toi, tu es trop dépendant. Il y a trop eu de messages. Ouais, fais attention, salut. Ouais, salut. Ouais, fais attention à toi. Bon, là, ça va, tranquille. Les images, elles sont que sur YouTube, donc ça va, c'est pas du porn ou quoi que ce soit. Mais en gros, il y a un gars dans le chat, je sais pas si t'as vu. C'est Olivier, là. Olivier, faut que tu le bannes. Il y a des mecs qui vont s'amuser à diffuser et tout, donc... Mais après, c'est toi qui nous a affiché hier. Non, c'est pas moi. Mais si. Mais non, c'est pas lui du tout. Mais non, c'est pas moi, je suis là pour t'aider, mais elle est sérieuse, elle. Heureusement que je suis là, d'ailleurs. Heureusement que je suis là pour balancer. C'est pas lui du tout, frère. C'était un Renoir, lui, c'est un métis. Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, je suis un métis, je suis des îles. Ouais, mais explique, heureusement que t'es plus intelligente que ta pote. Ferme ta gueule. Ça va, je suis là pour toi, je suis là pour t'aider. Donc, du coup, faites attention parce que votre image, en fait, vous la donnez à l'OVO. Et l'OVO, elle en fait ce qu'elle veut, en fait, de l'image. Donc, elle peut être diffusée partout. Là, la dernière fois, j'avais. Enfin, ma petite sœur. Bon, elle a 18 ans, c'est une bouffonne. Elle s'est retrouvée sur un site sur Pornhub. Et j'ai commencé à péter un câble, j'ai fait un signalement et l'OVO va rien entendre. Du coup, il y a un montage d'elle qui traîne sur Pornhub. Il y a des gens qui se branlent sur elle. Et ça me casse les couilles. Ah ouais. Des trucs de ouf, des bails de ouf. Bye Brosson. Ouais, mais après on montre rien, à part notre tête, après on montre rien du tout. Donc, non, mais c'est pour ça, parce qu'à un moment je suis tombé sur la miniature, je me suis dit, ah tiens, elle est grave fraîche, et en fait j'étais tombé sur ma soeur. Ah, mais ça veut dire que t'étais sur porn truc. Bah, il fait ce qu'il veut. Je me trouve plutôt charmante. Tourner le truc. On pouvait se rencontrer autour d'un verre. En tout cas, t'es très charmante, très charmante. Merci. Tu vous imagines là? Un beau petit minou. Bon petit minou. J'imagine le bon petit minou. Joli petit minou. Un beau galbe. Il est bon, il a fait. Pense à Damien, cela. Merci, Obi-Wan. Merci beaucoup. Parce que. Il n'y a pas des gens comme ça. Oh, mes frères. C'est qui? Je sais pas, ça fait. Comment t'as fait? Non mais tu fais exprès ou pas? Wesh les gars, ça y est, il y a trop des trucs bizarres maintenant sur ce truc. J'y vais plus. T'es lâche? Ah non mais ça fait caguer frère. T'es fou.
comment t'appelles? Pampaléa et toi? Hein? Pampaléa et toi? Mais t'as un handicap? Jonathan! Tu dois pas y foutre ta gueule, frère? Bah ouais, mais je sais pas, imagine c'est un vrai handicapé, je sais pas. J'ai envie de rigoler. Un handicap? Bon, vas-y, vous faites trop peur là, ma mère, tiens.